الحمد لله بعد هذا الفوز يعني كان صعب درب امام ولد الجزائر في ملعبنا يعني بعد الاقصاء تاع كاس الجمهوريه كان لابد علينا يعني نتحصلوا على 3 نقاط باش نحصلوا على مرتبه ثانيه الحمد لله ربي وفقنا ونهدوا الانصار الشعب هذا تاعنا يا كنتوا مأمنين بعد الفوز هذايا كنا مأمنين نعم حتى الدقيقه الاخيره الحمد لله ربي وفقنا ونستاهلها انصار هذا الشيء شبعان ديما نقول فيهم صورة تكلم عنه مقابلة كانت صعبة ضد فريق قوي وكان دابي في عدة كان عدة مقابلة وما كنت كان فيه كلام عليها بزاف الحمد لله الله يكون في علينا بون سونتي تاعنا وان شاء الله نكملوا لا سويت تاع شابون كنتوا مأمنين بعد الفوز حتى لا دينيان مينوت كنا مأمنين الحمد لله باسكو هذه فرقة مليحة والمقابلة كانت صعبة نشكر صابون ديال الرحية ديالي اللي جات في المقابلة كان يما لي انصار نشكر كل الانصار باسكو ما وقفوا معنا في المليح وفي الماشي مليح واه شوف هذا السيبورتير فرح علينا هذاك هو البليزير تاعنا الحمد لله يا رب Après l'échec testé, Steph, on n'avait pas le droit de perdre ou là, même pas faire un match nul, surtout devant notre public. Le match était prévu au 5 juillet. On a Darbo dans la manifestation. Mais je le match à la fin. C'est un match qui est un match de derby toujours Jim Zayer. Où il marque une attaque à l'Ukraine. Tant mieux pour nous. Est-ce que c'est une dette par rapport au match d'Assetif? C'est normal. Juste, c'est par rapport à moi, parce que toute la semaine, les supporters ils m'ont reproché à Nobu Azza le ratage avec, face à face avec Anouya. Et Zafou Chouya Alina. Alhamdoulilah, normalement, en tout cas, ils sont satisfaits. Donc, justement, après cette pression, est-ce que vous sentez le soulagement? C'est normal. Rebah contre Mouloudia, c'est toujours un plaisir pour nous et pour nos supporters. Donc. Donc voilà, on a un match prochain. Parce que خلاص, la coupe est éliminée, donc nous avons une semaine difficile. Donc خلاص, la coupe est éliminée. Donc on est championnat, on est à 8 points le mois de l'année dernière. Et درجة Inch'Allah. Quelle est la chance pour les jeunes qui sont venus aujourd'hui? C'est la santé. Inch'Allah, ils ne sont pas venus dans le bâtiment. Ils ne nous ont pas battus pour nous jouer le match dans le vaut dans le bâtiment. Alhamdoulilah, nous sommes heureux. Nous pouvons les voir sortir, ils sont heureux comme ça. On a gagné le match. On a gagné le match contre une bonne équipe. Dans un match à 6 points, puisqu'on a des ambitions les uns et les autres. L'un était deuxième, l'autre troisième, tout près. Parce que Mouloudia a fait une bonne performance, de bonne remontée depuis pas mal de temps. Chez deux défenses de bonne qualité, on a 12 buts tous les deux. Donc c'était pas simple. C'était pas simple de passer. On a fini par gagner au bout du match avec un centre d'un rentrant avec Bob. Pied droit, qui plus est, et la tête de l'Erag, voilà, qui est dans la zone de but et qui fait la différence. Bon, mais c'était beaucoup de fatigue. C'était une semaine de merde, vraiment une semaine pourrie, avec des problèmes en tout genre, avec plein de choses à résoudre. Et on tiendra pas ça, on n'arrivera pas à tenir ça tous les 8 jours. Hein. C'est-à-dire que, bon, dans 15 jours, on a le Ned et autres, mais je suis fatigué. On a 2 points d'avance. C'est presque le moment de sortir sur son nuage et de dire on reste sur ces bonnes images-là. Si on ne se construit pas un peu plus, si on n'est pas un peu plus raisonnable, plus organisé, plus structuré, on ne donnera pas aux gens tout le plaisir qu'ils ont envie d'avoir actuellement. Donc on a réussi à le donner. On a été au bout du match parce qu'on est resté calme, parce qu'on était en colère, mais on s'est pourri la vie tout au long de la semaine avec au moins une dizaine d'événements tout à fait anormaux. Parce qu'on a été mauvais, parce que autour de notre organisation, on a été mauvais. Donc, la victoire est belle, le résultat compte, mais bon, il va falloir en tirer les leçons très sérieusement. Il y a eu des doutes. Sinon, est-ce que vous attendez que Drag marque le but après le changement? Ah ben, le doute, on l'a toujours, parce que c'est un match serré contre une bonne équipe du Mouloudia, bien organisée. Donc, il y a toujours du doute. En football, si on se prend pour un autre,
et qu'on n'a pas de doute, on est bon à rien. Ça me rappelle une formule de Louis Jouvet qui disait à quelqu'un, mais un acteur, il dit j'ai pas le trac. Bah, l'autre lui dira vous aurez le trac quand vous aurez du talent. Bah, c'est pareil, quand on a une équipe, on essaie toujours de trouver la meilleure solution et c'est jamais facile et on est toujours attentif et respectueux des choses. Alors après, quand vous faites rentrer un joueur, c'est en pensant qu'il va marquer. Quand vous faites rentrer des joueurs, vous leur dites il vaut mieux jouer un quart d'heure et être super et marquer que de jouer une heure et d'être moyen. Donc bien sûr qu'on a toujours des convictions dans ce que l'on fait et que c'est le gros problème de toutes les équipes du monde de gérer leur effectif et d'avoir pas mal de monde pour jouer et d'être capable de faire comprendre à tout le monde qu'on ne peut pas jouer à 15 et qu'il y en a 11 sur le terrain et qu'on tourne après. Alors qu'aujourd'hui on a gagné ça, aujourd'hui on a eu raison à dire grand coaching, on a marqué les rentrants l'un centre et l'autre marque. Donc vous avez raison. Vous avez raison pour 8. Maintenant, vous avez moins de pression pour gérer la deuxième place. Il y a toujours de la pression. D'aller passer pour des clowns à l'Arma, ce serait une très grosse pression aussi. On est le deuxième qui va jouer chez le dernier. C'est obligatoirement un match difficile avec une équipe de l'Arba qui n'a pas l'habitude de lâcher à domicile, qui lorsqu'elle joue CRB fait toujours un match particulier. Donc, ça sera à nouveau une grande bataille samedi prochain. ثم حضرتوني فتحة في الهجوم وهذا اللي جعل الهدف كان غير منتظر بكل صراحة وجاء بعد ما ضيعنا احنا فرصة كانت فرصة لنا احنا وكان فعالية أكثر وتركيز أحسن كان ممكن احنا اللي نكون متقدمين في التهديف ولكن هذه هي لعبت المباراة تاع الدربي دائما تلعب على الجزئيات ولكن اليوم نظن حتى فريق ما يستحق الفوز ولا الخسارة لأن نظن أن كان التعادل كان منطقي لو لا ما كانش هذيك الغلطة شوف بلي هذيك اللقطة تاع الهدف كان تورنو تاع الماتش تاع قراوي يعني لما معروف أن لما تضيع فرصة في الدربي مثل هذا تنتظر ان تكون فرصه للخصم احنا ضيعنا فرصتنا وما ضيعوش فرصتهم وهذا هي الفرق اللي كان on mieux équilibré l'équipe on a mieux pris le match en notre compte mais on a manqué un peu effectivement d'efficacité mais dans ce genre de derby on ne s'attend pas à ce qu'il y ait beaucoup d'occasions dans un match. Si vous en avez une ou deux pour chaque équipe, c'est déjà énorme. Donc on a eu notre chance, on l'a loupé, ils ont eu la leur, ils ne l'ont pas loupé. Ça a été la différence. Cheikh, suite à la derby, le Mouloudi a donné une seule fois. Où est le problème? Pourquoi le Mouloudi a donné une seule fois dans les matchs? D'ailleurs, le derby est d'ailleurs très simple. Barahish, c'est une chose nouvelle pour les derby. Nous savons que la majorité des derby sortent avec le tir. يعني أغلبيتها اليوم ما زال ما عندناش فريق اللي ممكن يقدر يعني يفرض نفسه في كل المقابلات وفي الديربيات احنا نحاول بالشيء اللي كاين نحاول ان نكم انا انت شكون خويا صحفي وانت هذا سؤال تاع صحفي ولا تاع سيبورتر تراك سيبورتر راك صحفي لا ما نجاوبكش على السؤال هذا نجاوب على هذا السؤال سمسيان لما غيرنا كانت عندنا فرصة ما سجلناهاش هما غيروا درجتهم فرصة سجلوها هذا هو